ce qu'on oublie toujours, c'est la femme de ménage. Alors, moi, ma mère a été femme de ménage, elle savait, elle est morte. Combien c'était difficile d'être domestique chez les riches. Et, bon, c'était pas l'hôtel, mais ça revient même. Et là, j'ai été très sensible à la réaction d'un certain nombre de femmes, et notamment de femmes de gauche. Je pense à la Béatrice Villet, par exemple, qui est co-directrice ou je sais pas adjointe directrice de la rédaction de Libération, qui fait un très beau papier en disant mais attendez, on ne peut pas dire que parce que c'est un camarade ou parce que c'est une grande personnalité, elle est d'office innocente. Gisèle Halimi a dit la même chose. Et ça, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est chez des gens de gauche, ça consiste à rompre une solidarité apparemment naturelle et en fait religieuse.